Ici Xavier pour le jour 80 du défi Mission de vie. Voilà. Alors depuis ce matin, je me dis j'ai envie de faire une petite vidéo pour partager un petit peu. Et puis j'ai de la joie ce matin, une belle énergie. Même si c'est un peu dur de se lever avec le changement d'horaire. Je le sens, j'ai fait des rêves forts cette nuit encore. Faudra que je voie tout ça. Mais alors là, voilà, il y a des fois des matins, c'est comme ça. J'ouvre la page, le défi, demander encore et encore. Bon, je lis le truc. Et je me dis, mais comment, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je me dis, je sais pas trop. Puis en fait, je ronchonnais un peu. Je me dis, oh non, non. Puis en fait, je me suis retrouvé à demander toute la journée. Et à demander un tuyau de poêle. Et en plus, il y a un peu un aspect comique. Au début, on a rigolé. Voilà, le tuyau de poêle. Bah oui, le tuyau de poêle. Oui, c'est ce que je cherche, un tuyau de poêle. Voilà. Parce que j'ai. Ça va mettre en relation aussi avec le défi la vision guest. Passer 3 jours dans la nature. J'avais déjà partagé, je sais que j'ai fait des vidéos là-dessus, mais que j'ai pas publié. Mais du coup, ce défi-là, ça y est, les 3 jours, j'ai programmé. Je l'ai programmé, donc je vais partir 3 jours en pleine nature. Et le lieu, je l'ai. Donc pour ceux qui me suivent un peu, c'est cette cabane dans les arbres que j'ai construite. Et là, j'ai besoin, vu que c'est bientôt, de me chauffer un peu dedans, quoi. Donc hier, j'ai trouvé un poêle, un vieux poêle, et je vais installer ce poêle. Et j'ai pas mal bouché Enfin, mon abri est pas fini, mais en majorité, je peux m'abriter et là, avoir chaud. Donc je compte installer ça. Et là, j'avais besoin, j'y ai pas pensé au début de journée. Mais le tuyau de poêle, donc j'ai demandé toute la journée à diverses personnes ce tuyau de poêle. Et du coup, et ben en fin de journée, c'est un espèce de troc, j'ai donné quelque chose et j'ai enfin trouvé ce qui devrait aller. Ah, comme quoi, de donner comme un troc. Donc ça, c'est plaisant, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et que ça me fait un cap d'aller passer ces 3 jours en pleine nature et de profiter enfin de cette réalisation que je fais. Parce que, en fait, oui, l'idée de base, c'est ça, d'aller passer des instants dans la nature. Mais pendant que je la construis, je travaille beaucoup, quoi. J'ai fait 8 heures du matin jusqu'à 8 heures le soir, l'autre jour, bien bossé. Et là, je profite pas. Donc, mon idée, ça sera vraiment d'être 3 jours dans la nature et de pas bosser en gros, de me laisser aller. Et là, j'aime ça, je m'amuse à me faire la liste de ce que je vais amener. Bon, moi je lis beaucoup de choses bouddhistes, mais pas que ça. Là, je vais amener un livre sur l'Ayurveda, ça va me laisser du temps, je pense écrire et aussi juste profiter de la nature parce que moi je regarde rien que des fois quand je fais des pauses de 5 minutes. Paf, l'autre jour j'avais deux mésanges, mais les mésanges à tête jaune. Là, j'en avais jamais trop vu, parce que souvent elles ont la tête bleue et puis c'est le dessous qui est jaune. Mais j'avais fait des recherches sur internet et c'est le mâle, je crois, qui est vraiment la tête jaune. Et là, c'était joli comme tout, c'était au bout des branches. Voilà, plein de délices dans la nature. Et aller me promener un peu plus autour, explorer un peu plus, et puis passer 3 jours à dormir. J'ai passé une fois à dormir dans le hamac. Bon, j'ai pas dormi, j'espère que là, je suis plus à l'abri, je dormirai mieux. Enfin, puis voilà, l'idée aussi de se chauffer, de se préparer à manger, d'être tout seul, coupé du monde, mais vraiment, du coup, être revenu à l'essentiel, ça me branche beaucoup. Ouais, voilà, déjà 4 minutes, quand on fait des vidéos longues, je pense pas que vous regardiez. Alors, voilà, bon défi à vous et à bientôt. Bisous. Et ma connexion bouddhique a encore marché formidablement bien hier soir. Yes.